Que je me présente, bon il y a mon nom, <laughs> je pense que vous êtes là, vous avez déjà dû voir. Donc Stéphane Toureau, ça fait à peu près euh, 20 ans que je connais l'apnée. Euh, oui, je ne suis pas super vieux. Euh, <laughs> ça fait à peu près 10 ans que... Enfin, que, c'est à l'âge de 10 ans que j'ai découvert l'apnée et euh, que j'ai pris conscience de, de ce sport, enfin que je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait faire plein de choses. Euh, avec mon père, Palma, Stuba, euh, en vacances tout simplement, comme beaucoup euh, de gens qui se sont mis à l'apnée. Et euh, j'avais cette sensation de liberté, d'enfin de pouvoir me libérer, comme si j'avais un, un gros sac à dos sur moi qui était très très lourd. Et euh, me fait me mettre sous l'eau et puis de commencer à plonger et d'observer ce qu'il y avait en dessous, par curiosité, et puis d'aller toujours un peu plus loin, m'a permis de, euh, bah de, de me libérer un petit peu de tout ça et puis euh, de prendre aussi un peu confiance en moi, parce qu'il fallait apprendre aussi plein de choses sur soi, euh, même si ce n'était pas forcément conscient. Et puis il n'y avait rien dans ma région. Alors vous imaginez bien là. La frustration qu'on a quand on rentre à la maison et qu'il n'y a pas de club, il n'y a, a rien. Il y a, à l'époque, il, il y a juste des lacs, des montagnes. Bah, C'est cool, on, déjà, on s'amuse pas mal. J'ai fait plein de sports, du vélo, du judo, euh, plein de choses. Mais à un moment donné, ça me manquait. Quoi. Donc, arrivé à 18 ans, je me suis dit, bon, euh, il faut faire quelque chose. Euh, J'ai reçu un coup de fil d'un club, d'une ouais, asso qui m'a contacté, qui m'a dit, on lance une section apnée, il faut que tu développes l'activité. Je suis bah, allez, feu euh, moi, je voulais m'entraîner, mais il a fallu d'abord que j'entraîne les gens en finale. C'est marrant, c'est une démarche inverse par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans plein de sports. Et euh, du coup, euh, bah, j'y connaissais rien. J'ai juste donné des cours comme ça à mes potes euh, à l'époque, à l'adolescence. Donc c'était en freestyle total. Je crois que tout ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. <laughs> Donc euh, plonger seul, euh, enfin la totale, quoi. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et euh, suite à ça... Euh, il y, a eu, euh, il y a eu une démarche qui s'est mise au niveau pédagogique, j'ai été obligé quelque part de le faire un petit peu par moi-même, donc j'ai tout appris par moi-même, je me suis entièrement construit. Je n'ai pas forcément les moyens de faire un stage Umberto Pellizzari ou euh, de, de rencontrer Guillaume Neri, même si je l'ai fait euh, assez rapidement derrière, euh, pour pouvoir euh, me former commencer à apprendre l'activité la, et la discipline. Euh, et puis bon, après, tout, 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 tout s'est rapidement emballé. J'ai fait la rencontre aussi également de Loïc Leferme à l'époque, qui nous a quittés il y a 10 ans. C'était le, le 11 avril 2007. Donc euh, voilà, c'était une petite parenthèse quand même à, à Loïc, qui a été une des personnes qui m'a beaucoup inspiré. Donc ça n'a pas été forcément le grand bleu. <laughs> Comme certains peuvent le croire, c'est arrivé beaucoup, enfin c'est arrivé après. Et euh, bah, tout ça pour dire que l'apnée, est... j'ai pris conscience réellement de l'apnée un petit peu après. Euh, J'avais des gros problèmes de confiance en moi. Pour vous donner une idée, quand je, je me suis formé à mon monitorat fédéral de, de plongée, il y avait le tableau, il y avait juste un instructeur qui était en face, hein. il n'y avait personne d'autre. J'étais en train d'écrire, il y avait le stylo qui tremblait comme ça sur le, tab... sur le tableau. C'était furieux. Et euh, là, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de travail encore à faire sur la gestion émotionnelle, surtout que je commençais à faire de la compétition en apnée. Alors euh, là, c'est encore, encore un cran au-dessus. Moi, j'aime bien les challenges. <laughs> je suis allé jusqu'au bout. Et euh, j'ai fait la rencontre en 2011, parce que ça fait 10 ans que je fais de la compétition et ça fait depuis 2011 que je suis en équipe nationale, de Loïc Gouzer, un préparateur mental. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler, qui, euh, qui forme pas mal d'athlètes de, 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 de haut niveau. Et Et donc, euh, euh, hop. suite à ça, euh, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai pu prendre conscience aussi de ce que c'était que la, 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 la pensée, l'intention et tout ce qu'on pouvait en faire. Et euh, du coup, ça, ça a fait un gros, euh, un gros boom, parce que c'est quelqu'un qui va juste donner des processus, donner des informations, et puis c'est à nous, après, de les, les développer. Et euh, j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à, à me renseigner sur qu'est-ce que c'est que ça. Et avec l'âge, avec, euh, avec tout ce que représentait l'apnée, je me suis posé beaucoup de questions. Donc j'étais un petit peu paumé quand même au début, forcément, parce que ça fait beaucoup d'informations, surtout dans une activité qui est nouvelle, qui se développe, qui était en plein développement. Euh, pour vous donner une idée, l'apnée, euh, là, en, il y a, en 4 ans, elle était passée de 4 000 à 25 000 licenciés, en l'espace de 4 ans seulement. Et ça, c'était il y a quelques années en arrière. Donc là, ce qui limite, c'est les créneaux-piscines, principalement dans le territoire. Et après, le développement des structures professionnelles, du moins de l'activité, qui sont en train actuellement de se développer dans le sud de la France. Mais il y en a, il y en a très, très peu au final. Et un engouement énorme, puisqu'il y a deux ans d'attente pour entrer dans un club à Paris et dans les grandes villes. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc moi, je suis pour le développement de l'activité et j'aimerais bien que, même sur Annecy, sur le bassin Siens. On est des gens en dehors des clubs qui puissent enseigner l'activité, ce serait génial. Donc en quoi consiste l'apnée euh, C'est retenir son souffle, ça, je pense que qu'on est tous d'accord là-dessus. Top 20 minutes. Non. Euh, ma discipline, enfin des disciplines, il y en a plein. Il y a des disciplines de piscine, il y a des disciplines de profondeur. Donc ça, c'est ma discipline principale qui consiste en fait à descendre à la palme, une monopalme, comme on le voit. Et à descendre le long d'une ligne et à remonter. À la base, l'apnée, c'est pas ça. À la base, l'apnée, c'est découvrir son environnement, aller explorer et euh, évoluer dans l'élément euh, liquide. Et euh, vous imaginez bien que ce sport, il est extrêmement complet, il apporte énormément de choses. Pourquoi Parce qu'à la fois, on est obligé d'être dans l'introspection, d'être dans le relâchement de soi, de prendre conscience de son corps. En fait, il y, y a une mise en veille. Et euh, tout ça fait que quand on est en mouvement, on arrive à être dans l'économie, à essayer d'observer, euh, en fait on est vraiment dans le moment présent. Si on commence à essayer de se visualiser euh, dans la performance ou dans le chiffre ou euh, dans ce que l'on va faire, on n'est plus du tout, enfin on est détaché du moment présent. Or, c'est la base et la conception même de l'activité. Et là on va commencer progressivement à faire un parallèle avec la vie de tous les jours. D'arriver justement à occulter toute la pensée et euh, la partie mentale pour arriver à se concentrer sur le moment présent et être focalisé sur ce qu'on vit, sur l'action, le ressenti des choses. Donc c'est un travail qui est euh, assez exigeant, on va dire, mais qui nous oblige vraiment à, à travailler sur soi. Euh, donc après, vous me poserez plein de questions, je pense aussi, sur l'activité. Euh, en fait, la force de l'apnée aussi, c'est que par exemple, bon, là, je vais prendre cette fois-ci un exemple sur la, la compétition. Euh, on annonce une performance avant, en profondeur, la veille. C'est intéressant parce que c'est-à-dire qu'on va annoncer quelque chose que l'on va faire le lendemain. Donc, la démarche est intéressante, surtout euh, si on fait un parallèle avec, euh, avec notre, euh, notre capacité tous les jours justement à, à, à visualiser, à anticiper sur les choses. Et le lendemain, la performance, la profondeur est proposé donc c'est à dire qu'on peut pas aller plus loin on peut pas aller moins enfin, voilà. le câble est réglé à la profondeur dont on dont on a besoin et là on s'élance et on fait notre performance donc il faut avoir une connaissance euh, de ce qu'on est capable de faire mais ça c'est par étape c'est toujours la question qu'on me pose mais comment tu fais euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe en bas si jamais ça ça se passe pas bah ben, ça se passe très bien parce qu'en fait c'est une étape et on franchit les étapes mètre par mètre. Donc, même dans les pires circonstances, on est un peu fatigué, on a mal mangé. Je sais que je suis capable de faire telle performance dans tous les contextes, parce que à force de plonger, ben, on sait à peu près ce qu'on est capable de faire. Donc après, ça se. Dans les compétitions, c'est le jeu d'annonce. Il est, à mon sens, il ne doit être que euh, par rapport à soi, mais il est encore actuellement chez certains athlètes dans la compétition. Et c'est là où c'est pas bon. Et c'est là où on voit que ça marche pas. 95% du temps, quand on voit les annonces, quand elles sont faites par rapport à soi-même, elles sont réalisées de manière totalement propre et belle. Et c'est souvent le jeu justement qui est de, 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 de voir ça de l'extérieur et puis au fil des années, de, de voir la compétition et de voir comment les personnes évoluent. C'est très intéressant. Il y a aussi une autre discipline que je pratique qui est le poids variable. Je fais une petite parenthèse. En fait, on, on est sur une gueuse ou sur un poids, on descend à, à l'aide d'un poids. Et on remonte à la Palme, donc c'est un peu plus profond. À la Palme, on est sur des profondeurs à peu près de 103 mètres. Et euh... Enfin, je suis sur une profondeur de 103 mètres. Il y en a, ils sont plus profonds euh, encore, <laughs> moins profonds. Euh, et en variable, en poids variable, je suis sur des profondeurs de 121 mètres. Une profondeur de 121 mètres. Alors, on va, on va faire évoluer tout ça cette année, peut-être. c'est encore la surprise euh, du début de saison, elle commence dans, dans, dans quelques semaines. Euh, donc voilà, en fait, l'apnée, la, comme je vous l'ai dit, c'est une école qui m'a permis de, de, de prendre conscience de tout ça. Et comme on est dans un sport assez particulier, c'est comme si vous imaginiez de faire un marathon, mais en fait qui dure 3 minutes. Toute l'énergie que vous allez mettre dans un marathon est concentrée dans 3 minutes. C'est-à-dire qu'on doit gérer euh, le relâchement, l'effort, euh, pour être économique justement euh, dans, cette, dans, dans ce moment-là. Or, quand on arrive en compétition ou euh, qu'on se lance dans quelque chose, il y a quand même une petite, euh, petite adamantine, un petit stress qu'il faut arriver à gérer. Mais qu'est-ce qui fait le stress Est-ce que vous pensez que ce sont nos systèmes éducatifs Oui, sûrement. Mais c'est aussi la connexion au moment présent. Enfin non, au contraire, au détachement du moment présent. À partir du moment où on pense, où on commence à faire rentrer l'information, on est déjà décalé par rapport à ce que l'on doit faire. Et être connecté au moment présent, c'est par exemple ressentir l'accord, l'eau qui coule sur la main. Mais à partir du moment où on commence à faire ça et qu'on arrive à, à le garder, on arrive totalement à se relâcher. Et là, le corps, pff, il se relâche. Et moi, c'est un gros, gros, gros travail qu'il a fallu faire, parce que par un manque de confiance en moi, il a fallu que je fasse énormément d'efforts pour la gestion émotionnelle. Et c'est très particulier, parce qu'au final, on s'aperçoit que quand c'est une démarche qui est euh, en conscience et qui demande beaucoup d'efforts, Mentalement, il faut aussi se préserver. Parce que quand on fait régulièrement des performances, émotionnellement, on se fatigue. Et moi, c'est souvent que je vois des athlètes qui rentrent dans l'apnée, qui sont à fond, ils, sont déjà, ils ont déjà fait des disciplines de haut niveau ou autre, et euh, qui font 3 ans, 4 ans, après ils arrêtent. Parce que justement, ça demande une telle euh, concentration, une telle démarche de gestion émotionnelle, que euh, c'est fatigant. Et pourtant, euh, pour faire une plongée, quand je suis proche de mes max, il faut 48 heures de repos derrière. Et on a du temps, quoi. on a juste trois minutes d'effort, mais c'est tout ce qu'il y a autour et en préparation qui fait que, euh, émotionnellement, c'est quand même assez intéressant. Donc euh, voilà, au-delà de ça, la démarche personnelle, il y en a qui la font, il y en a qui la font moins. Après, moi, j'ai remarqué aussi qu'en fonction de notre tissu social, ben, on n'a pas forcément le même travail là-dessus. Plus on a de difficultés, ben, plus euh, on s'aperçoit que. C'est justement là, dans la difficulté et dans toutes ces choses qui, nous, qui fait qu'on euh, travaille dans ce domaine-là. Moi, je prends un exemple, un ami que je connais bien, Kevin Roland. Euh, je le cite de temps en temps parce que moi, il me surprend. Alors là, on est allé à peu près dans le même style que Kylian Jornet, même s'ils sont totalement différents, mais ils ont un truc en commun c'est le tissu familial. En fait, il est totalement open. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de chez eux, ils pouvaient aller dans la forêt, aller sur les skis. C'était totalement une espèce de liberté d'action qui font qu'en fait ils se posent plus de questions. Les choses sont naturelles puisqu'en fait ils les vivent. Et euh, c'est ça qui est ce qui est intéressant, c'est que cette totale liberté qu'ils ont eue dès leur jeunesse, en fait, ils, ont, ils la retrouvent totalement dans, leur, dans leurs actions. C'est-à-dire qu'eux, ils me disent bah moi j'ai pas besoin d'un préparateur mental. De toute façon j'y vais quoi. <laughs> Et moi je suis. Ouais. <laughs> moi, salaud. Mais c'est ça qui est super. Et j'en veux pas mes parents. Au contraire, au contraire, je, je les adore encore plus parce que maintenant c'est moi qui leur amène quelque chose et, euh, et qu on échange, et on partage beaucoup de choses. Et euh, surtout en ce moment, je trouve que la, la relation qu'on a n'a jamais été aussi bonne que maintenant. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment cool. Ça fait combien de temps qu'on a commencé Parce qu'il faut. Que... C'est vrai. <laughs> Vous avez des impératifs de temps derrière <laughs> le Très bien, génial. Euh, donc voilà, j'étais fermé. Pourquoi j'étais fermé Parce que quand j'étais euh, enfant, euh, j'étais assez ouvert à plein de choses. Et progressivement, bah, je suis rentré dans le système. Et euh, on rentre dans le système éducatif, on rentre dans l'école, et ça y est, on commence à nous mettre les, les, petits, les petits paramétrages qu'on veut, qu là où la case où on veut que vous, vous alliez, euh, Commencer à vous préparer à euh, à souffrir parce qu'il va falloir travailler, il va falloir ramener de l'argent, il va falloir, falloir s'organiser, il faut voilà le petit cocon, la famille, tout ça, tous ces concepts-là qui commencent à rentrer. Et jusqu'au jour où ça fait boum, on se dit, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'essaye de rentrer dans ce moule-là, ça se casse la gueule. Et là je me dis, bon, il y a un truc quand même, il y a, il y a quelque chose. Et la lumière, elle est faite sur bah, la connaissance. C'est-à-dire que j'ai rempli de savoir, on est rempli de savoir, on a plein d'informations jusqu'au jour où on s'aperçoit que c'est nous qui, font notre, qui forment notre propre expérience et euh, où là on commence à rentrer à l dans l'introspection, le rapport à l'introspection et euh, la connaissance de soi. La connaissance de soi, elle passe par euh, l'écoute et l'écoute, elle ne peut se faire que encore sur le moment présent, tout simplement parce que le ressenti des choses qu'on va avoir. Avec, pour vivre les choses qui nous correspondent vraiment, il faut être connecté au moment présent. Si on commence à laisser pas s'exprimer les pensées parasites ou euh, le, le mental, bah forcément, on va re-rentrer dans, dans, dans des choses qui ne nous appartiennent pas forcément, en fait. Et moi, c'est ça qu'il a fallu que je travaille. Après, on va, ça va s'étayer un petit peu et devenir beaucoup plus clair. Vous m'arrêtez si vous comprenez vraiment rien. <laughs> je reviens sur, euh, sur tout ça. Et aussi dans connaissance, je précise quand même que c'est vraiment ce qui fait la, la différence dans notre monde actuel, c'est qu'on a été construit sur le savoir. Et là, progressivement, moi, de ce que je vois actuellement, c'est que plus en plus de gens prennent conscience de la connaissance et euh, vont vérifier par eux-mêmes. Euh, je prends un, un exemple concret euh, quelqu'un qui va faire des recherches sur l'Égypte ancienne, c'est très bien, et euh, qui va tout savoir sur l'Égypte ancienne et qui va te dire et faire des leçons, c'est cool. Mais est-ce qu'il a touché la roche est-ce qu'il y est allé? Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il a vu? Et moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une information sans l'avoir touchée et sans vraiment l'avoir ressentie par nous-mêmes. Il faut que ça vienne de l'intention, il faut que ça vienne du cœur, il faut qu'on ressente vraiment quelque chose de très fort. Elle nous appartient à nous et pas à un autre. Donc tout ce que je vous dis là, n'en prenez pratiquement pas comme action, mais plutôt d'aller vérifier par vous-même tout ce que je vais vous dire. Et c'est vraiment, c'est vraiment la. Aucun signal, c'est encore autre chose ou non? C'est bon. Alors, il y a un moment donné, je me suis dit, bon, euh, c'est bien, mais là, il me faut quelque chose de palpable. Et moi, qui étais très euh, cartésien à un moment donné, euh, j'ai dit à Loïc, bon, bah c'est bien, tu me parles de tout ça. J'ai commencé à lire des bouquins sur l'intention, sur la, la, la loi de l'attraction, toutes ces choses, mais moi, si je ne peux pas le palper, si je ne peux pas le, le comprendre, euh, ça ne marche pas. Donc, moi, il a fallu que je comprenne comment ça fonctionne. Et pour vraiment en prendre conscience. Et plus on le sait, plus on apprend toutes ces choses-là, plus on arrive à le, à le dégager sur nous et à rendre l'action de manière facile. Euh, à concevoir les choses, et ben, la mise en place justement de ces processus permet d'en de prendre conscience. À votre avis, c'est quoi ça Des neurones J'adore. C'est génial. À chaque, fois, à chaque fois que je présente cette photo, c'est un système nerveux. Tout le monde me parle d'un système nerveux. C'est assez rare qu'on me parle d'autre chose, sauf si on connaît la photo. <laughs> Alors, vous avez à, fois, à la fois tort et à la fois raison. En fait, c'est l'univers. C'est une schématisation de l'univers. Et en fait, ouais, c'est un système nerveux. Tout simplement parce qu'à l'échelle cosmique, c'est-à-dire inimaginable, hein, là, si je vous parle de taille, on n'en parle même pas. Hein. C'est juste euh, inconcevable pour nous en termes de distance, euh, ces choses-là. Donc, c'est difficile d'imaginer, mais d'une connexion ici à une connexion là-bas, vous imaginez bien que vous, dans votre connexion neuronale, les vitesses de connexion neuronale et d'information, euh, ça va vite, ça va très vite. Et bien, l'échelle de l'univers, c'est exactement la même chose. Une information peut traverser d'un endroit à un autre au même moment. Et là, on va se dire, mais pourquoi et comment <laughs> En fait, il faut activer... Ouais. Donc, euh, c'est là où je me suis dit, mais je suis un truc de fou euh, quand j'ai commencé à m'informer là-dessus, à me dire, mais euh, co comment c'est possible et de quoi, euh, quoi c'est fait tout ça et là, j'ai commencé à me pencher sur ce domaine-là. Et euh, je me dis, bon, bah, c'est bien, mais euh, pourquoi Et moi, j'ai appris euh, en SVT euh, à l'école, bah, les particules, les atomes, euh, bah, ça tourne, c'est des billes qui tournent entre elles, euh, ma cache. En fait, on s'aperçoit que dans la physique quantique et dans toute la recherche sur l'infiniment petit, on s'aperçoit que c'est des fréquences et des ondes. Et que, en fait, la fameuse particule qu'on parle de Planck ou autre, c'est des distances qui sont tellement inimaginables. À l'échelle d'une épingle, juste le proton à l'échelle d'une la pointe d'une épingle, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pratiquement pas, hein, qui est invisible à l'œil nu, le centre de l'atome est à 42 mètres. Vous êtes composé à 100 000 milliards de cellules et vous avez, vos cellules sont composées à 100 000 milliards d'atomes. Et là, on se dit en fait, vous êtes composé de vide. En fait, tout ce que vous avez autour de vous, la, cons, la, la prise de conscience de votre environnement extérieur, il est juste immatériel. On a toujours conceptualisé que c'était de la matière, mais en fait, ce n'en est pas. C'est des fréquences et des ondes. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement qu'en fait, ça devient une information. En fait, ce qui fait que vous ne traversez pas la chaise ou que ma main ne peut pas traverser euh, ici, c'est tout simplement à l'échelle magnétique. C'est juste des ondes et des fréquences. Et là, je commence à me dire « Bon, ok, donc en fait, on est composé d'ondes et de fréquences. » Et c'est marrant, je fais le parallèle avec ce que j'ai appris sur l'intention, qu'il y a eu des recherches avec les gens qui méditaient, et qu'ils ont enregistré des fréquences et des ondes. Et euh, je me suis dit « Mais en fait, la tension, c'est une onde qui est extrêmement forte, puisqu'on arrive à la voir, ils arrivent même à la, à la transposer. Alors le wifi, le téléphone, ils sont là, par contre on ne le voit pas, sinon on ne se verrait même pas dans la, dans la salle. Et bien bah, à l'échelle de l'intention, c'est encore plus fort, c'est des fréquences qu'on qu ne touche pas vraiment, mais qui sont présentes. Ça veut dire que vous avez un impact direct sur votre environnement et sur vous-même. Et là, on va commencer dans quelque chose qui est encore plus intéressant. Et là, j'ai fait le rapprochement, l'apnée. Quand j'ai appris ça, je suis allé voir une fois, bah, j'avais rendez-vous avec Loïc, et euh, il, me, il me passe une vidéo il m'a dit il faut, faut que tu regardes cette vidéo. J'ai commencé à regarder les travaux de Yamato, c'est le premier film que j'ai vu sur la, sur la mémoire de l'eau. Et là, ça a fait flash. J'ai fait, mais c'est un truc de dingue, c'est pas possible. L'eau est un fluide, est une matière qui enregistre l'information. Toute la matière enregistre l'information, mais l'eau a une capacité de la mémoriser, de la retranscrire de manière extrêmement rapide. Vous mettez euh, un courant électrique dans l'eau, euh, soit vous faites électrocuter, ou alors vous le sentez tout de suite. C'est très rapide. On transmet l'information, on transmet les champs magnétiques très, très, de manière très très rapide dans l'eau. Tout est très rapide. Le son est très rapide. Euh, si je vous dis le, la sonorité d'une baleine euh, à plusieurs dizaines de kilomètres, la, euh, la vitesse de transmission du son, elle est décuplée par rapport à l'air. Tout ça fait que toutes ces informations-là mixées font qu'on s'aperçoit que l'intention dans l'eau a une capacité mille fois décuplée. Et là, je me dis, bah, purée, euh, déjà qu'il y a l'intention et elle agit quelque chose sur nous, c'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, elle entre à l'intérieur de vous, et en plus de ça, vous la vivez, c'est-à-dire que vous dites à votre corps ces choses-là. Donc, quand vous en êtes convaincu, je prends un exemple concret euh, je pense à quelque chose, mais je ne le, je le veux pas. C'est comme si vous essayez d'accélérer et puis mettre le frein à main en même temps et eh bien votre corps, lui, le vit en conscience. Vous dégagez ça. Vous avez quelque chose autour de vous qui dégage ça. Mais vous, vous n'en avez pas conscience. Et les personnes autour non plus n'ont pas conscience. Par contre, elles le perçoivent. C'est quand même incroyable. On est dans une société d'aimants, en fait. C'est juste qu'on attire les choses et euh, on ressent les choses, mais on n'en a pas vraiment conscience. Et ceux qu'on en a conscience, c'est encore plus fort. Parce qu'alors, euh, eux, après, euh, voilà. <laughs> Soit c'est positif, soit c'est négatif. Après, il faut l'apprendre. Il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre justement à, à le travailler pour que ce soit d'autant plus fort. En profondeur, en apnée, je me suis dit, purée, on s'envoie à des profondeurs de plus de 100 mètres et juste avant, on se met des stress pas possibles avant de partir. J'y dans l'eau, déjà qu'on est composé d'eau et qu'en plus, on est dans un milieu liquide. Vous imaginez bien que l'intention, elle a un effet, un impact sur notre corps qui est décuplé. C'est-à-dire que vous avez une intention négative, waouh, waouh ça part vraiment très très vite. Et moi, j'ai pu m'en, la... j'ai pu l'apercevoir, j'ai pu vraiment le concrétiser quoi. Et il euh, y a autre chose encore plus qui est plus fort, c'est que nous, on a la narcose. Là, c'est encore plus intéressant, c'est qu'en plus de ça, on a des échanges chimiques qui font que, à une certaine profondeur, on ressent cette sensation d'ivresse. C'est comme si vous preniez quatre verres de vodka à 90 mètres, d'un coup, à jeûne. Ça se coue. Hein. Et ben on sait, on sait ce que ça fait l'alcool, ça décuple les choses aussi. Ça décuple euh, tout ce qu'on ressent, Donc, autant négatif que positif. Et moi, c'était quitte ou double. Et des fois, des, des apnées, elles passaient, c'était magique, quoi, parce qu'on était justement dans cet état d'esprit. Et des fois, des gros stress ou des, 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 un manque de confiance, waouh Et ça part en why, quoi. Les, les idées arrivent en bas, euh, purée, on se dit, ça y est, je vais me faire amuser à la surface, alors que pas du tout. Mais. Euh, tout, euh, tout est décuplé. Alors je me suis dit que la mémoire de l'eau, déjà qu'elle agit sur notre corps, parce qu'on est composé quand même à 99% d'eau, qu'une intention on la garde en mémoire à l'intérieur de soi, et qu'en plus de ça, on est dans un environnement liquide. J'ai purée si on avait réellement conscience de ça dans l'apnée, ça changerait quand même beaucoup de choses, c'est certain. Et la mémoire de l'eau, les, les recherches qui ont été faites, là où euh, moi j'ai voulu vérifier ce truc-là, parce que c'était tellement énorme que euh, je me suis dit, mais c'est pas possible, tellement c'est vrai. Enfin, tellement c'est euh, surnaturel. Et en fait, c'est pas surnaturel, c'est vraiment naturel. Enfin, euh, je vais reprendre les travaux qui ont été menés par euh, quelqu'un que j'adore, qui est euh, Montagnier. Euh, le, celui qui a découvert euh, le virus du sida. Et lui, il a repris les travaux de l'eau. Alors là, attention, hein. Quand on commence à rentrer dans le domaine scientifique, ouch, là on se fait vite, ou là, toi tu parles de la mémoire de l'eau, allez hop, outside. Euh, c'est à peu près ça dans le milieu scientifique. Tout simplement parce qu'elle n'est pas du tout considérée et qu'on n'y croit pas. Eh bien, il y a eu plusieurs chercheurs et à chaque fois, tous les travaux ont été justifiés, mais on voit encore plus d'informations. Par contre, pour vendre un médicament, ça c'est facile. Hein. Généralement, il y a très peu d'études. Quand on s'aperçoit du chiffre qu'on va pouvoir faire sur un médicament, on arrive à le vendre assez rapidement. Par contre, sur les travaux de la mémoire de l'eau, forcément, quand on voit la facilité avec laquelle on peut interagir avec l'eau et ce qu'on peut en faire, ben, forcément, ça, 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 trouble un, ça, ça trouble un petit peu ce système-là. Et donc, ces recherches, elles ont été menées. Qu'il a enregistré la fréquence d'une eau qui a été filtrée où il y avait le virus du sida, plusieurs euh, centaines de fois pour ceux qui ont déjà vu ce reportage. Et euh, il a enregistré la fréquence vibratoire de cette eau. Et il l'a transmise à 5000 km de là, dans un bureau d'études qui a accepté euh, de recevoir l'échantillon. Parce qu'ils n'étaient pas tous chauds pour pouvoir faire ces tests-là. Hein. Parce que c'était tellement... Euh, C'est comme un petit peu les sorcières à l'époque. Hein. On, est, on est à peu près au même niveau. Hein. On croit qu'on est évolué, mais en fait, on est encore aussi lex. Et euh, bah, le résultat est probant. Ils enregistrent ça de manière numérique. Ils le retransmettent dans un tube de cuivre. Et qu'est-ce qu'on retrouve au bout d'une heure Dans un pilulier qui est en fait de l'eau normale, de manière complètement plate, et ben on retrouve les traces du virus du sida, qui ont été transmises de manière numérique sur un autre pilulier à 5000 km de là. Ils reforment le génome, ils font les, euh, les, prélèvements, enfin les, les retours de prélèvements, ils les, ils les envoient à Paris, et qu'est-ce qu'on retrouve Pouf, pouf, 95% de validité sur le, sur le génome. Voilà, ça c'était réglé. Et ça, ils le font plusieurs fois. Parce que forcément, comme ça ne suffit pas au, au monde scientifique, ils font ces prélèvements plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Ils font différents tests. Il n'y a pas que le silaire, on peut faire ça avec n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met une intention dans l'eau, elle a une mémoire. Donc on donne une information. Pourquoi dans le milieu de de la du jardinage de la permaculture on commence à mettre de la musique sur les plantes pourquoi euh, quand on justement la méditation on dit qu'elle est extrêmement forte extrêmement importante tout simplement parce qu'elle a un impact direct au niveau vibratoire sur nos ondes et comme on est composé 95% d'eau vous imaginez bien l'impact positif qu'elle peut avoir donc quand on dit pensée positive penser négative moi ça voulait rien dire par contre quand on commence à mettre tout ça et à, à justement à tout assembler en fait, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde est divisé, il y a les médecins qui sont là, il y a les chercheurs qui sont là, il y a la physique quantique qui est là, il y a euh, ces gens-là qui sont ici, donc tout le monde est divisé, et là on commence enfin, et ça je trouve ça beau, c'est que dans notre monde on commence à se réveiller, et à se dire purée, ça y est on va pouvoir enfin se regrouper, et là on commence à avoir la physique quantique qui commence à toucher un petit peu du doigt avec la médecine, on s'aperçoit que des gens qui coupent le feu, qui ont un impact sur le, le corps direct ou qui développent ces capacités-là, Commence à venir dans le monde médical et on s'aperçoit que les chercheurs commencent enfin à prendre conscience de toutes ces choses-là, quel que soit l'enjeu économique qu'il y a derrière. Alors on peut vous dire ce qu'on veut à la télé, mais moi de ce que je vois, je trouve que c'est super positif et qu'on va justement vers, ce, vers, un, vers un éveil et l'éveil ne passera que par la connaissance parce que ce que je vous dis là, il va falloir que vous cherchiez-vous, vous ayez par vous-même vérifié ces choses-là et que vous testiez des choses. Il y a plein de tests hein, sur la mémoire de l'eau. Il y en a qui ont fait ça dans leur, dans leur placard avec euh, des bols de riz. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ceux qui connaissent le coup des bols de riz, ça marche. Hein. Moi, j'ai des potes qui l'ont fait, ça fonctionne. Donc, euh, donc, voilà. Et là, on revient sur la pensée et l'intention. Donc, du coup, avec Loïc, il y a quelque chose qui m'avait uh, intrigué. Et une fois, il m'a dit « Ouais, il faut que tu fasses un stage en bioénergie. » Donc là, on part de connaissance. Et... Uh, pourquoi Parce que je me suis dit, bah super, il y a cette information là, mais il faut que je puisse la palper quand même encore. J'ai encore envie d'aller euh, voir ces informations là. Donc j'ai fait des stages. J'ai fait un stage d'énergétique et euh, j'ai appris des choses. Et euh, on est capable d'ancrer des mouvements. On est capable de ressentir des choses avec les mains de manière assez facile à partir du moment où on travaille. Et, et moi, je n'y croyais pas. Il a fallu que j'aille en stage pour le, le vérifier, quoi. Et, euh, parce qu'il faut vérifier les choses. Donc là, okay, typiquement, par exemple, on fait un, ce qu'on appelle un ancrage. Un ancrage, comme on peut le voir dans différents domaines, hein, que ce soit dans l'hypnose ou autre, on crée un mouvement et on le fait en conscience. C'est-à-dire que c'est une sorte de méditation, mais on le fait en mouvement sur des points d'acupuncture euh, du corps, euh, de façon à les activer de manière plus profonde, et on les prend en conscience pour activer des choses, que ce soit des, de la gestion émotionnelle, que ce soit pour se concentrer sur le moment présent, tout en en prenant conscience. Donc ça augmente l'effet. Et encore un nouveau test, c'est que je l'ai fait, euh, fait, fait sans et je l'ai fait avec, en performance, que ce soit à l'entraînement et en compétition. Il ben, n'y a pas photo. La plupart du temps, quand je mets en place ces exos-là, j'ai une capacité de concentration en fait, et de réalisation sur mes performances qui sont décuplées par rapport aux autres fois où je ne l'avais pas fait. Et euh, j'avais dit à Loïc que c'était assez hallucinant. Euh, si, J'arrivais à faire mes performances, pas de la même manière. Et, pas avec autant de relâchement et, euh, et de positivisme. Quand j'ai activé toutes ces choses-là, généralement, ce sont des plongées qui se sont super bien passées, même au niveau euh, de l'état d'esprit. Donc l'intention, en fait, elle a, elle a cet impact-là euh, impact sur nous. Et euh, l'apnée a été pour moi un moteur qui m'a permis d'en prendre conscience. Et, euh, et moi, quand j'ai vu ça, en plus de ça, j'ai eu des difficultés quand même dans, dans ma vie perso pour arriver justement au niveau en apnée. Parce que la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas financé et qu'on est très peu aidé au début. On valorise souvent la performance réalisée. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes champion du monde, vous avez de fortes chances de trouver des partenaires, mais beaucoup moins quand vous ne l'êtes pas. Ça, c'est un système, alors que c'est avant qu'on en a besoin, mais. Voilà, et euh, en fait, du coup, ça moi, je trouve ça super constructif au final, parce qu'on peut pester tant qu'on veut là-dessus, mais au final, ça m'a permis justement de mettre le doigt dessus, parce que si j'avais pas ça, je ne pouvais pas justement utiliser cette, euh, cette, euh, cette énergie-là pour pouvoir comprendre toutes ces choses. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer, et l'année dernière, de faire une, une saison qui était parfaite, en fait, parce que du début de saison jusqu'à la fin, j'ai fait que des plongées réalisées parfaitement en carton blanc. J'en ai fait 11. Et euh, pour moi c'était euh, de la science-fiction parce que c'est très rare en fait d'arriver à, à réaliser toutes ces performances de A à Z. Et euh, donc j'espère que ça va continuer. Après ça, je pense que ça, 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 ça n'appartient qu'à moi. Euh, il faut arriver à mettre l'action et euh, justement à, à ressentir toutes ces choses.